pour t'y accompagner sur la mangane. Ouais, au volant à droite, ce serait chaud. C'est pas évident. Bah, c'est pas évident. On est conduit plein dans ma vie, on est à droite, on s'y fait. Ah ben on s'y fait. Au bout d'une heure, on a pris le coup. Voilà, on dit une demi-heure, une heure, suivant les personnes. On s'habitue très vite. Alors c'est dommage, j'ai une Morgane en général qui peut capoter. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est là, elle est capotée. Non, j'aime bien aussi les feuilles capotées, mais on va capoter. C'est le seul, Ah ben je souhaite. Le public, est-ce lui qui décapote? Oui. C'est pas moi qui décide. Voilà. Alors, le petit projet, ça reste une anglaise, c'est capricieux. On va y aller tranquillement, vous savez. Pas de problème. Voilà, on va comme docteur, ça va. Et tiens, en attendant, moi, tu as des questions? Ah, t'es pas en âge de conduire, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est la conduite accompagnée, pas sur celle-ci. Une voiture classique. Quoi, comme voiture? Une voiture sympa. La voiture sur Arlan. Oui. Je vais venir sur une qui est. Et après, t'es bien pour dire ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, alors une des Morgane ici, on en a déjà présenté par le passé, mais c'est toujours un plaisir de présenter ce genre de voiture parce que c'est des Morgane, elles vieillissent pas. Tu vois, elles ne vieillissent pas les Morganes. Hein, elles sont comme moi. Non, vous êtes d'accord. Non, les Morganes, elles n'ont pas changé de look depuis les années 30. Hein, depuis ces calandres arrondis, vous voyez, avec ces phares à semi-intégrés. Ces calandres, on connaît une Morgane de loin. On ne peut pas la confondre avec notre voiture. Regardez ce look. La Morgane, elle n'a pas changé depuis les... Alors celle-ci, alors c'est difficile de les dater du coup. Parce que, est-ce que c'est une récente, une ancienne, entre les deux? Je ne sais pas. 1978. Voilà. Donc ancienne quand même, ouais. Mais pas années 30, ouais. Années 50 quand même. Alors celle-ci, années 70, elle n'a plus le mode. Vous connaissez les moteurs Triumph dans les Morgane, dans les années 70. Les moteurs 4 cylindres, celle-ci, c'est plus le moteur. Là, c'est un moteur Ford. On a une 6 cannes. Ah, c'est lequel qui est sur les CRM? Vous voyez sur les Ford Escort. C'est vrai que moi, après, je... Alors, pour les spécialistes, il y en a ici, ouais. Le Kent, c'est un moteur qui a une image en sport automobile qui est énorme. C'est des moteurs qui étaient montés sur les formules Ford dans les années 70-80. La fameuse formule Ford, c'était le Kent. Le moteur Kent, on retrouve sur plein de kit cars, notamment anglais. Hein, il a été monté dans, bien sûr, sur les Ford, les Escort notamment, et ça a été monté sur pas mal de Lotus 7. Voilà. Ça sert de base aussi au moteur Lotus qui était monté dans les années 70, le bloc, c'est le Kent. Après, Lotus a mis un double arbre par-dessus. Hein, mais ça reste à l'époque, ça reste le fameux bloc Kent, le 1600. Il y a eu 1300, il n'y a plus un cylindré. Mais le 1600, oui, c'est assez quand même. On peut citer de nombreuses fois sur des voitures sportives. Voilà, c'est un petit internet. Donc elle a ce fameux Kent. La conduite, elle est à droite, donc c'est une voiture qui vient d'Angleterre, celle-ci, c'est une française. Tout à fait. Ah, c'est logique. Oui, je vais donner des questions et des réponses. Ah, bah, je vais te laisser parler parce que. Non, moi qui parle. On va encore me dire, et toi qui parle. Alors, l'histoire, c'est qu'elle appartenait au père d'un ami à moi. Et moi, je connais cette voiture depuis 30 ans déjà. J'ai même grandi dans la voiture puisqu'il. Le papa m'emmenait faire des bases, 46 ans. Ouais, donc, et en fait, j'avais 16 ans, il allait chercher son fils au collège. Classe. Et en fait, quand il a décidé de la vendre, forcément, il m'a appelé, il m'a dit Roland, parce que c'est un cas oui. Voilà, tout à fait. Ouais. C'était ta première ancienne. Oui. À autre chose. Alors, j'ai une 9. Une 911 qui est 264. Voilà, elle est moins récente, on va dire. Ouais, elle était de 80. Pas fâché avec les Porsches, c'est autre chose. Non, mais voilà. Et cette Morgane, alors, ça n'a rien à voir avec une Porsche, bien sûr. Ouais. C'est pas de cul, ça tient pas la route. On a l'impression qu'elle va se disloquer. Voilà, il y a des bruits partout. C'est une galère à conduire, en fait. Ah non, ça va, c'est fou rouler tranquillement.
Alors, c'est des voitures, si je me rappelle bien, c'est en aluminium, non, ces voitures? Non, là, c'est un châssis bois et la tubulure, c'est... Alors, c'est pas un châssis bois. Non, on entend souvent ça dans les conversations. Ça n'existe pas, un châssis bois. Le châssis est bien métallique. Par contre, la structure sous la carrosserie, c'est du bois. Oui. Du frêne en général. C'est comme ça qu'on fait les voitures dans les années d'avant-guerre. Avant que Citroën fasse le principe d'acier. Donc, c'est bien un châssis métallique. On entend souvent, c'est un châssis bois, pas du tout. C'est bien un châssis métallique, rudimentaire. C'est une échelle, en fait. C'est une échelle. Dessus, il y a une structure en bois sur laquelle est façonnée la carrosserie. C'est comme ça, toi, je t'apprends quelque chose. J'ai tout à apprendre, de toute façon. Voilà, on entend souvent le châssis bois. Non, ça n'existe pas, le châssis bois. Enfin, du moins, ça existait sur quelques voitures très très spéciales. Mais le Morgane, c'est bien un châssis métallique avec une structure en bois sur laquelle est posée la carrosserie. Donc, c'est pour ça que ça bouge. Dans les bruits, en vieillissant, la structure et le bois bougent, vieillit, c'est normal. Alors, cette voiture, l'intérieur, c'est une conduite à droite. Alors, on est assez droit dans cette voiture, finalement, non? Le volant est assez droit. Oui. Non, mais c'est... Non, ça va? C'est toi, mais je me mets au volant des voitures. Ouais. Je ne le fais plus depuis le début. Donc, je vais te demander de prendre place, vu qu'on voit à peu près le gabarit d'une personne. Tu peux garder le micro. Regardez les portes, alors. Tu vois les ouvertures de portes. Toi, tu l'ouvres par l'intérieur, déjà. Alors, voyons, ça s'ouvre vraiment, hein. Alors, c'est juste une petite bannière. Voilà. Alors, cette voiture est dans son jus, elle n'a jamais été restaurée. Elle a eu une... Je pense que la voiture, elle a été refaite il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Il y a 20 ans, ouais. Ouais. Et elle est restée telle qu'elle, là. Une couleur assez originale. Oui, bah en fait, c'était un verre pistache. C'est un verre anglais, même, je pense. Ouais. Ah non, c'est pas le verre anglais. Alors, le verre anglais est plus soutenu, plus foncé. Ouais. Non, on va dire un verre pistache. Non, le verre anglais, c'est vraiment quelque chose de très différent. Alors, donc, je vois, le volant, ça passe. Le volant, il est plaqué contre le tableau de bord. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, les cuisses, ça passe à peu près. Parce que le siège ne doit pas être égal non plus. Un siège fixe. Et donc, la morphologie, pour la capote, ça va. Il y a un peu arrondi au dessus. Ça va. Il ne faut pas être trop grand. Alors, les portières, elles sont là pour faire joli, en fait. Ça ne sert pas à grand chose en fait. Quand tu souffles, même quand tu es dans la voiture, tu sens pas les portes. Il y a du thème, tout le monde fait ça. Oui. Alors, Frédéric, ça fait combien de temps que tu l'as là? Ah ben, ça va faire 2 ans. Ah, c'est récent quand même. 2 ans qui me. T'as beaucoup roulé avec? Oui, j'ai dû faire peut-être 500 000 km. Ouais. Oh, t'as pas roulé beaucoup. Non, mais... C'est une voiture plaisir, c'est une voiture plaisir, mais c'est surtout en fait une voiture que je mets en location. Parce que j'ai une très belle explique nous ça, vas-y. Alors, tu fais quoi? Comme métier? En fait, j'ai... Ça m'intéresse les gens. Oh, il est super le casque, j'avais pas vu. Ah, regardez le casque rose là-bas. Ah, il est super. Ouais. Salut Mika! En fait, c'est une salle de réception, domaine My Cabin au Canada. Et cette voiture, je la mets en location pour les mariés. Après avoir passé une petite demi-heure, une heure avec eux pour leur expliquer le fonctionnement. Voilà. D'accord. Et ça marche bien? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai, je sais pas, ouais. J'ai la question. Ah, ça marche bien. Alors, si je veux la louer, moi, c'est combien? Ben, je la mets à partir de 200 euros. Pour la journée? Oui, tout à fait, mais eux, c'est des petits trajets, hein, donc voilà. D'accord. Et je la mets que pour les mariés, d'ailleurs. Hein. C'est que pour les mariés? Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment un petit trajet. Un particulier qui veut la louer, c'est pas possible? Non. C'est bien. D'accord. Oui. Les mariés, hein, qui la rendent blonde, ça. Ah oui, oui, tout à fait, mais ça va. Ça va. Tu vas remonter, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais sûr de sortir de ta voiture. Oui. Alors, elle est dans son jeu, la voiture, hein, elle porte le stigmate de la vie passée. Elle n'est pas en mode concours. C'est une voiture qui roule. Moi, je préfère les voitures qui roulent quand on est à concours. Est-ce qu'on peut avoir ce moteur qu'elle j'adore? Oui, tout à fait. Regarde le moteur à micro cette fois-ci, parce que là, c'est compliqué.
la petite sangle qui fait très courte années 30. Hein. À l'époque, on mettait ça pour pas que le capot s'envole. Là, aujourd'hui, c'est plus pour le look. Alors, ça s'ouvre en deux parties, comme les voitures anciennes. Et on reconnaît très bien, hein, les spécialistes reconnaîtront le Kent. Regardez, ce fameux Kent, le bloc Ford, et son petit cache-culbu. J'ai le même, moi, sur ma voiture, je connais bien. Avec un simple carbu double corps. Voilà, on n'a pas de Weber, comme on voit souvent sur ces moteurs-là. Donc un moteur qui, d'origine, doit faire dans les 84 chevaux. À moins que j'ai une petite préparation, je ne vais pas le dire. Voilà, et d'origine, ce moteur est monté sur ces voitures-là. Je ne savais pas encore dans les 70 si je le montais encore. Tu vois, j'apprends aussi à faire des choses. Alors ça, j'aime bien. Ça, c'est des bougies de rechange, au cas où. Hein, ça reste une anglaise, avec tous les petits défauts. Oui, je vais rendre le micro. Hein, Laurence, Laurence, elle est revenue, vous avez vu quand même. On la voyait plus depuis des mois et des mois. Hein, avec le Covid et tout ça, il y a un moment. Elle est venue, Laurence. Voilà. C'est parti de l'ACO. Vous savez que le Mans, cette année, se trouvera à huis clos. Hein. Malheureusement. Voilà. Non, regardez. Bon, voilà, petit intermède. Donc je disais, ce moteur-là, ben, il a été conçu, il a été monté à toutes les sauces. Regardez la hauteur du capot. Regarde, c'est calculé au plus juste, parce que quand le capot est fermé, avant, même l'arête, là, quand tu replies, quand tu refermes le capot, ça doit passer calculé au plus juste. C'est incroyable quand même. Hein. Par contre, pour travailler sur ces mécaniques-là, regardez. D'un côté ou de l'autre, hein, c'est très très accessible. Alors bien sûr, une Morgane sans roue à rayon, c'est plus une Morgane. Je trouve dans ma vie, je n'ai jamais vu une Morgane sans roue à rayon. Donc là, ils ne sont pas chromés, c'est pas. La plupart, on va voir, la plupart, c'est pas. Il y a très peu les gens chromés. Et puis ben, le look, regardez avec ses accessoires, par phare, par pierre, en courant rallye, vous mettez ça pour protéger les phares des pierres sur les rallyes. À l'époque, c'était vraiment des rallyes avec des routes, des fois, qui n'étaient pas goudronnées. Hein, les Morganes ont souvent couru en rallye. Donc, on a ce look, regardez cette petite barre chromée, qui permet aussi de mettre des emblèmes de clubs. Alors ça, c'est très course aussi, cette flèche-là. C'est-à-dire que quand vous sortez en bac à sable, et ben la corde, il ne faut pas l'attacher là, il faut l'attacher ici. C'est peut-être plus renforcé tout ce cas. L'endroit le plus renforcé. L'endroit le plus renforcé. Merci, Laurent. Voilà. J'ai fait une petite parenthèse. J'aperçois un monsieur qui a un très joli masque. Alors, je vais me retourner vers vous. Hein. Regardez comme il est mignon, son masque. Venez là. Pour le montrer, votre masque. Regardez ça, c'est du fait maison, ça. Maison, oui. C'est madame ? Ah bah, c'est chouette. Alors là, bravo. Ah ouais. Voilà, c'est une petite intermède. On peut faire ça avec n'importe quel modèle après. Parce que le masque, on va le porter encore un moment. Autant en avoir un beau. Voilà. Mais c'est très mignon. Alors on discute beaucoup avec le papa, alors le fils. Ah oui. À ton âge, c'est pas ce genre de voiture qui t'intéresse. C'est plutôt les versions RS, les Clio, tout ça. Non ? Ou toi t'es attiré plus par là, non ? Oui, t'as pas dit pour temps pour elle. Si aussi c'est celle-ci. Aussi les Mustangs. Les Mustangs, les anciennes ou les nouvelles ? Les anciennes comme les nouvelles. Ouais. Les Shelby, ouais. Dans ce moment, ce que les jeunes aujourd'hui pensent des voitures anciennes, souvent ça ne les intéresse pas trop. Mais toi, peut-être parce que tu es tombé dedans avec ton papa. Sinon, En parlant de Shelby, en parlant de Carole Shelby, pour ceux qui ont Canal+, je pense que c'est le mois 66 passe sur Canal. Donc si vous n'avez pas vu le film au cinéma, regardez-le si vous avez Canal, parce que franchement, ou achetez le DVD, c'est un très très beau film. Le duel Ford-Ferrari, bien sûr, hein, avec Carole Shelby. Voilà, c'est vrai, on fait une parenthèse. Même si c'est une histoire romancée, Il est repassé hier soir, et franchement, c'est un très très beau film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, la construction des stands comme à l'époque, c'est prodigieux. On s'y croirait. Et ça, c'était les Américains qui voulaient faire ça. L'histoire, c'est autre chose. Mais les stands, franchement, quand vous voyez la ligne droite des stands, vous y êtes. Vous y êtes en 66. Et alors, ça, c'est prodigieux. Le film a été tourné dans le désert en Arizona.
les décors ont été entièrement, enfin, les stands ont été entièrement reconstruits, mode cinéma bien sûr, par les États-Unis, avec bien sûr le concours de la CO, puisque les responsables Fabrice Brigaud du musée du Mans est parti aux États-Unis pour vraiment fignoler les derniers détails. En contrepartie, ils nous ont offert une partie du décor qui se trouve, qui se trouvait au musée. On vient de changer là parce qu'on va faire une expo Porsche jusqu'au mois de janvier. Mais ils ont récupéré les combis, les horloges, une partie du décor. C'est franchement magnifique. Je pense que ces décors seront à nouveau représentés au public, sans doute pendant les 24 heures. Ils trouveront un moyen dans le village de les mettre. Mais c'était une grande aventure pour nous. Voilà, c'est une petite parenthèse sur ce film qui passe en ce moment sur Canal+, pour ceux qui ont la chance d'avoir Canal+. Donc on revient à cette Morgane. Quand on part en week-end avec ce genre de voiture, comment on fait? Alors je vois que tu as une... Comment ça s'appelle? Véronique. Ça porte un nom. On va demander au public, hein. On ne peut pas participer beaucoup le public aujourd'hui. Comment s'appelle ce petit porte-bagage chromé qu'on voit à l'arrière? Ça porte un nom. Véronique. Vous êtes sûr que c'est pas Patricia ou... Non. Laurence? Non. Et pourquoi ça s'appelle Véronique alors? C'est le même dans ma VM. Je pense que celui qui l'a conçu, peut-être son épouse s'appelle Véronique, et donne un nom à... Voilà. Et donc, on a souvent des Véroniques sur une voiture anglaise, et surtout sur une voiture comme ça, parce que, à part ça, il y a quoi pour mettre des bagages, monsieur le propriétaire? Oh, j'ai jamais rien mis à part un vélo derrière. Un vélo là? Un vélo enfant, oui. Enfant, ah oui, ah oui, parce que là, c'est pas possible, un vélo sur une Morgane. Voilà, c'est la seule histoire de... Parce que là, derrière, on a bien sûr le réservoir, qui prend toute la place. Et ici, on a un petit espace pour quelques sacs souffle, en fait. Oui. Et puis c'est tout. Oui. Hein, pour rappeler qu'il y a deux... C'est pire que la Lotus, hein. Ah, c'est pire que la Lotus, hein. C'est pour en parler. Ah, oui. On est parti 8 jours en Lotus. Et bien, c'était pas triste. Ah oui. Ah oui, pour tout cas, c'est... Il n'y avait pas un endroit, voilà. Il n'y avait pas... Bon, moi, j'ai arrêté tout seul, ça a arrêté. Bon, pour revenir en Morgane, il y a deux types de Morgane, au fait. Oui, ben, après, moi, je connais que celle-là, hein, la 4x4. Ça, c'est une 2+, une 2-place, et il y a la 4x4. Non, ça, c'est une 4 sur 4. 4 sur 4, et donc, c'est une plus 4. Une plus 4, oui. L'autre, ça s'appelle plus Morgane, plus 4. En fait, il y a deux places ici supplémentaires, et la partie arrière est beaucoup plus verticale. Ça permet de loger deux places. C'est pas très beau de ligne. Oui, mais ça permet de loger deux petits enfants derrière, en fait. Voilà. Écoute, on ne va pas t'embêter plus longtemps. Merci d'avoir présenté cette voiture avec ton fils qui un jour héritera de la voiture. Je suis sûr que tu ne vas pas la vendre. Non. Ça vaut combien, tu sais à peu près? Ouais, aux alentours de 25. Ça a baissé un peu. Oui, c'est possible. À une époque, ouais. C'était beaucoup plus. Il l'a vendu beaucoup moins cher. Bon, pas vrai. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Non. Voilà. On va te laisser repartir. Merci. On a bien fait de baisser la capote. Il fait super beau. Tu vas pouvoir repartir avec le capotier. Et refermer ton capot. Voilà. Donc, c'est l'aluminium. C'est pas léger.